Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 15 mai. Donc aujourd'hui, dans la mise à jour, il y a des rénovations. Donc il y en a deux. Donc il y en a une, c'est à la chapelle de Dol, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Et une, c'est au vignoble. Et il y a également des nouveaux noms qui ont été ajoutés pour les chevaux. On va aller voir au notaire de Forpinta. Voilà, on va aller voir les nouveaux noms. J'ai vu dans le site qu'on pouvait appeler son cheval Ice-T. Pourquoi pas, mais voilà, pourquoi pas. Donc, alors, je vais regarder s'ils sont dans l'ordre, toujours les noms. Ah ouais, ils sont toujours dans l'ordre, ok. Mais il y a toujours de nouvelles façons de nommer son cheval. Bolt, par exemple, avant, il n'y avait pas. Destiny, il n'y avait pas non plus, il me semble. Keeper, non plus. Amethyst, je pense qu'il y avait, mais je suis pas sûre. Great. J'ai vu qu'on pouvait appeler aussi son cheval Iron Man. Pourquoi pas? Enfin voilà, vous avez des nouveaux noms. Vous pouvez voir par vous-même. Et maintenant, on va se rendre à la chapelle de Doyle pour voir les rénovations qui ont été apportées. Voilà, on y est. Donc c'est beaucoup plus chaleureux, on va dire ça comme ça. Il y a même une aire pour mettre ses chevaux. Avec Marie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Marie, juste ici. Donc on peut mettre nos chevaux, voilà, on peut juste les poser là. D'ailleurs, il faudrait qu'ils fassent une animation où on les voit manger et boire. Ce serait marrant. Donc on va visiter un petit peu. Donc ouais, c'est beaucoup plus grand. Oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très joli. C'est vraiment... D'ailleurs, je me demande où sont les tombes. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le détail avec les bougies. Ça fait vraiment très joli. Il y en a même partout. Oh, et les fleurs bleues, elles sont trop belles. Donc là, c'est une espèce de petit jardin. On va dire ça comme ça. Là, j'imagine que c'est la même chose, ouais. Un petit jardin avec des arbres, des fleurs. Là aussi, c'est vraiment très beau. Avec un petit banc comme ça, on peut s'asseoir et admirer le paysage. Donc là, on nous amène vers une sorte de plage. Ah, il y a un morceau de bois par terre. Ah, là, il y a une aire où on peut de nouveau mettre ses chevaux. C'est vraiment très joli, hein. La plage là-bas, elle a été rénovée. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus réaliste. Franchement, au niveau réalisme, c'est beaucoup mieux. C'est très beau. Là, on peut monter par là. Ouais, c'est vraiment très joli. Avant, ici, c'était du sable. Maintenant, c'est de la terre. Oh, il y a un petit pont juste là. C'est trop mignon. Le petit pont comme ça. C'est vraiment très joli. Là, de nouveau, il y a une petite aire pour poser ses chevaux. Oh! Oh, qu'il est mignon! Regardez-le! Il est trop chou! Et donc là, donc, comme je l'ai dit, il y a encore une aire pour poser ses chevaux. Avec deux selles. Qui ont l'air d'être des nouvelles selles. Hein. Les nouvelles qu'on aura. Je suis pas sûre. Comme vous pouvez constater, avant c'était que du sable ici. Maintenant, bah, c'est de la terre avec de l'herbe. Là, il y a des petites cabanes. On va regarder. Ouais, des petites cabanes. Et là, c'est un petit bateau. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh, c'est très joli ici. C'est beaucoup trop mignon. Franchement, au niveau des graphismes, ils ont vraiment bien travaillé. Je trouve ça vraiment très très joli. Oh, c'est vraiment trop beau. Franchement, sur 10, je mets 9. Parce que c'est vraiment très beau. Mais les tombes, je ne sais pas où elles sont passées. Donc voilà.
Donc maintenant on va passer au vignoble. Donc là on est dans l'entrée du vignoble. Alors à première vue il n'y a rien qui a changé. À première vue. Hein. Maintenant je sais pas parce que cette zone-là avait déjà été modifiée avant il me semble. Ce bâtiment-là je crois il vient d'être modifié aujourd'hui, j'ai l'impression. Je ne sais pas du tout. Sinon on va regarder par là. Oh, il y a une boutique de nourriture qui est devenue comme celle qu'on trouve à Morlande avec la vendeuse ici. C'est très beau, franchement. Alors, pour les écuries, apparemment. Oh, il y a nos amis les Morgans. Oh, ils sont trop mignons. De toute façon, je les ai tous les deux. Enfin, voilà. Et donc, ici, apparemment, ils ont dit qu'il y aurait un nouveau cheval qui va bientôt arriver. On ne sait pas quelle race c'est. Je pense qu'il n'y a que ça qui a été modifié au vignoble. Je pense. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses, je vais regarder, mais ça m'étonnerait. Donc, pour le vignoble, il n'y a eu juste qu'une seule modification, c'est l'écurie des chevaux à vendre. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la modification de la chapelle de Doyle, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment très très chaleureux, ça fait plus nouveau forcément. Et je trouve ça vraiment très joli. Enfin, c'est très accueillant, tout ça. Enfin voilà, je trouve qu'ils font un super bon travail là-dessus. Et par rapport au nouveau nom, bah pareil. De toute façon, il fallait de nouveaux noms pour les chevaux parce qu'à chaque fois, on mettait la même chose à chaque fois, donc ça devenait un peu chaud. Bah voilà, donc je trouve que c'est une mise à jour très correcte. Ah, bonjour. Donc il y a également le marché aux chevaux qui se trouve à Steve, enfin à la ferme de Steve. Donc si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas. Et sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!